Azoul Ahmed Assid, donc qui est écrivain très connu à Tamazra occidentale, mais qui est aussi un militant amazigh, membre de l'Observatoire amazigh des droits et des libertés, très impliqué dans l'avancée amazigh. Voilà, nous sommes heureux et contents d'avoir l'occasion de discuter avec vous et de vous donner la parole. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qu'on aimerait voir avec vous. Mais bon, là aujourd'hui, on va essayer de comprendre cette question de l'officialisation, de la reconnaissance de Tamazight par la monarchie marocaine. Donc la première question, si vous pouvez nous faire un petit état des lieux de Tamazight, hein, de Tamazight, langue et culture, dans le cadre de l'État marocain. Comme vous le savez, l'amazigh au Maroc est devenu langue officielle de l'État depuis le 1er juillet 2011 dans la nouvelle constitution. Et cela est arrivé après un long chemin de sacrifices et de militantisme du mouvement amazigh et de tous ses alliés politiques et civils. L'amazigh actuellement au Maroc, en tant que langue, il est officiel, mais il doit y avoir, comme c'est mentionné dans la Constitution, il doit y avoir une loi organique qui définira les modalités et les étapes de la mise en œuvre du caractère officiel de la langue amazigh. Donc actuellement, on est en plein débat sur la loi organique de l'amazigh depuis janvier 2012. L'année 2012, c'était l'année de débat sur la loi organique. Et il y a eu 12 rencontres qui ont été organisées sur ce thème. 8 rencontres du mouvement amazigh et 4 rencontres de partis politiques et d'organisations des droits humains, et également la dernière rencontre, ça a été celle de la Chambre des conseillers au Parlement marocain il y a presque 2 semaines. Je crois que l'enjeu actuel, c'est d'essayer de sortir avec une loi organique qui est juste pour Tamazight et qui garantit l'intégration de l'institutionnalisation de l'amazigh dans tous les secteurs de la vie publique. Et notamment, quand on dit tous les secteurs, ça veut dire 8 domaines exactement. Le premier, c'est d'abord tous les symboles de l'État du Maroc, par exemple la monnaie, les billets de banque, la carte d'identité, les passeports, les timbres, etc. Tout ce qui symbolise l'État du Maroc. D'un côté, il y a l'enseignement. La priorité des priorités pour nous, c'est de généraliser l'enseignement de l'amazigh horizontalement et verticalement. Donc, il doit figurer dans la loi organique les étapes et les modalités de cette généralisation avec un agenda rationnel et objectif. D'un autre côté, il y a les médias. Bien entendu, jusqu'à présent, l'amazigh n'a pas eu sa part dans les médias, elle est toujours marginalisée. Dans la loi organique, il faut que l'amazigh soit traité dans les médias comme langue officielle de l'État, c'est-à-dire à égalité avec l'arabe. Il ne peut plus y avoir de cahier de charge qui donne à la langue amazigh quelques minutes pendant la journée ou quelques heures. Il faut qu'il y ait, c'est-à-dire une programmation qui respecte
le statut de langue officielle. D'un autre côté, il y a les façades des institutions et les plaques de signalisation et les espaces publics. La Mazire s'apprête à faire sa sortie dans ce domaine-là avec sa graphie ancestrale, la graphie Tifinagh qui est officielle au Maroc. Il faudrait également revoir toutes les plaques de signalisation marocaines et récupérer la toponymie amazigh falsifiée ou arabisée ou mal écrite parce que ces plaques de signalisation vont être écrites dorénavant avec un amazigh correct et qui respecte les règles de segmentation d'une langue de l'école qui est l'amazigh, puisque l'amazigh est enseignée au Maroc depuis 2003, donc c'est la langue de l'école et on doit respecter les règles de l'écriture de l'amazigh. Comme ça, on va avoir l'enjeu, c'est d'arriver à, c'est-à-dire une identité visuelle amazigh du Maroc. Quand on se promène dans la rue, il faut voir cet aspect amazigh de l'identité marocaine sur les institutions, sur les plaques et partout. Et même dans la pub, tout ça. D'un autre côté, il y a le problème de la justice. Depuis l'arabisation de la justice au Maroc en 1966, l'amazigh a été interdite dans les tribunaux et dans le domaine de la justice. Donc, avec cet acquis de langue officielle, actuellement, on va pouvoir intégrer l'amazigh dans le domaine de la justice et dans les tribunaux. Et il faudrait également une formation des cadres de la justice dans la langue amazigh. Il y a le domaine de la justice, de la santé, également les hôpitaux, les cliniques, tout ça. Et puis il y a l'administration territoriale qui doit utiliser c'est-à-dire la langue amazigh dans le domaine administratif. Et il y a bien entendu le domaine religieux. Au Maroc, comme dans tous les pays de Tamazra, la langue arabe est considérée comme étant la langue de la religion, la langue du paradis, la langue sacrée, etc. Eh bien, si aujourd'hui les Mazirans de l'Afrique du Nord connaissent l'islam, c'est parce que nos ancêtres ont utilisé la langue amazigh pour faire comprendre l'islam. Mais ils l'ont adapté avec leurs valeurs. Ils l'ont adapté à leurs valeurs ancestrales, leurs valeurs démocratiques et ouvertes. Donc, pour arriver à changer la mentalité des gens et pour affronter également le fanatisme religieux et le wahhabisme qui vient de l'Orient, il faudrait utiliser la langue amazigh dans le domaine religieux. Et bien entendu, quand on dit langue amazigh, il est inséparable de ses valeurs et de sa culture. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à, c'est-à-dire une vision humaine de la religion au lieu de véhiculer des valeurs dangereuses qui portent atteinte aux droits élémentaires des Marocains et à la dignité des Marocains. Donc ce sont les 8 domaines dans lesquels la langue amazigh va être introduite, puisque aujourd'hui elle est langue officielle au Maroc. Et cela fait déjà maintenant 11 mois qu'on est en plein débat sur cette loi organique. Le gouvernement marocain a placé la loi organique de l'amazigh 11e dans le programme, son programme législatif. Donc, il va se pencher sur cette question aux environs entre juin et juillet 2013. Et avant cela, il va y avoir un large débat public sur la loi organique, bien entendu, encadré par le gouvernement. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est que il n'y a plus de partis politiques ou d'organisations ou de tendances politiques ou civiles au Maroc qui sont contre l'officialité de la Mazire ou qui sont contre nos droits et nos acquis. Quelques-uns qui se manifestent, ce sont des individus qui expriment leur point de vue personnel, mais qui sont liés à aucun organisme. Donc, cela veut dire que nous croyons que le débat
sur la loi organique va se diriger dans le bon sens. Justement, pour revenir à cette loi organique, il y en a qui disent que le fait que donc dans la constitution marocaine, il est fait cette différence entre les caractères officiels de la langue amazigh et de la langue arabe par le fait de dire que une loi organique dire comment la langue amazigh sera officielle. Ces gens-là pensent que, au fait, c'est une discrimination, une dévalorisation de la langue amazigh. En fait, c'est la considérer moins officielle que l'arabe. Qu'avez-vous à répondre par rapport à cette réflexion? Ben, contrairement à ce qui se dit, nous croyons qu'une loi organique est indispensable pour la langue amazigh qui n'a jamais été officielle. Et parce que ça va garantir l'application de la Constitution d'un côté, d'un autre côté, ça va protéger l'officialité de la langue. Vous voyez, par exemple, la langue arabe, il est officiel, cela fait un demi-siècle qu'il est officiel, mais il n'est pas utilisé dans plusieurs secteurs officiels de l'État. Et malgré les notes ministérielles des premiers ministres, il y a 40-45 ans, personne n'applique l'officialité de la langue arabe, ils utilisent le français. Donc nous ne voulons pas que ça arrive, la même chose à la langue amazigh. Il faut que le responsable respecte la loi suprême du pays, qui est c'est-à-dire la constitution, et respecter l'officialité de la langue amazigh et appliquer réaliser cette constitutionnalisation et cette officialité à travers c'est-à-dire le contenu de la loi organique, parce que la loi organique se situe entre la loi suprême qui est la constitution et les lois normales. Donc c'est une loi qui a une force plus que les lois normales, et il sert à obliger les décideurs à respecter les décisions de l'État. Donc nous croyons qu'au contraire de ce qui se dit, cette loi organique est indispensable. Mais l'enjeu, c'est de faire de façon que cette loi soit comme on veut, c'est-à-dire qu'elle soit dirigée dans le bon sens et que le contenu de la loi organique respecte les acquis de la mazérité de la dernière décennie. Et bien entendu, les acquis, ils sont les suivants: que la mazérité est obligatoire pour tous les Marocains, il n'est pas facultatif dans aucun domaine, que la mazérité est une langue standard qui est en processus de standardisation, c'est-à-dire il ne faut pas traiter la mazigh comme étant des dialectes dispersés. C'est une langue, et il existe aujourd'hui la langue de l'école, et il existe également les parlers quotidiens du nord, du centre, du sud, de toutes les régions. D'un autre côté, il faut absolument que cette loi organique respecte le principe de généralisation horizontale et verticale de la mazigh. Il n'est pas question de dire qu'il y a des régions amazigh au Maroc. Tout le territoire marocain, il est amazigh. Il n'y a pas de région. Casablanca, la plus grande ville économique, la capitale économique du pays, elle est amazigh. Rabat, c'est amazigh. Les amazighs, ils sont partout. Donc ce principe de généralisation verticale et horizontale est un grand acquis. Et il faut absolument qu'il soit respecté dans la loi organique. D'un autre côté, il y a le quatrième principe, c'est la graffiti finard. Plus question que quelqu'un vient rêver de nous imposer la graphie arabe, par exemple, parce que l'amazigh aujourd'hui, il est lié à sa graphie ancestrale. Beaucoup de travail a été fait, un travail académique, un travail scientifique dans le domaine de l'informatique, pour adapter la graphie aux besoins de l'administration et du computer et de tous les usages modernes. Une reconnaissance internationale de Tifinagh a eu lieu, c'est-à-dire en 2004. Aujourd'hui, on a eu l'intégration de Tifinagh dans Microsoft, c'est-à-dire dans Windows 8. Hein. Et donc, ce sont des acquis qui ont tiré cette graphie du ténèbre de la marginalisation, hein, à la lumière de l'usage institutionnel. Voilà, ce sont nos acquis. Et si la loi organique est basée
sur ces quatre acquis, principes et orientations générales, eh bien, ce sera une loi qui ne fera que garantir la généralisation de la Mazir dans tous les domaines. Alors, lors de votre conférence samedi à Paris, je vous ai entendu parler de la confiscation des terres comme un problème. Alors, moi, j'aimerais bien comprendre d'abord, parce que pour moi, je crois que c'est quelque chose qui n'existe pas, parce que la confiscation, généralement, ça existe sous un régime colonial. Alors, est-ce qu'on peut savoir plus sur la confiscation des terres justement sous le régime? Eh bien, le problème des terres au Maroc, c'est l'un des grands tabous politiques qui est resté jusqu'à présent un tabou fermé dont on ne parle pas. Mais dernièrement, il y a eu des réseaux d'associations qui se sont créés pour affronter ce problème et pour briser le tabou. Et pour dire que les Mazirins en ont marre que l'État les traite comme des gens colonisés. Le système marocain continue à utiliser des lois coloniales de 1917, de 1922, comme si on est toujours, qu'on vive toujours l'époque coloniale. Et cela n'est pas acceptable. Donc le dimanche 9 décembre, à Rabat, ce réseau associatif a manifesté pour dénoncer cette politique et pour s'indigner contre ces pratiques illégales. Pourquoi illégales? Parce que ces lois coloniales ont été changées en 1962, 63 et 72. Et les gens ne savent pas. Et l'État continue à utiliser des lois coloniales de 1917 et 1922. Donc maintenant que les gens sont conscients de la gravité de la situation, je crois que le système doit absolument arrêter ce genre de pratique, parce qu'il n'est plus acceptable que l'État se mobilise pour confisquer les terres des tribus amazighes. Dernièrement, il y a eu une loi qui a été distribuée par le ministère de l'Intérieur, et dans cette loi, il est écrit « président du gouvernement ». C'est-à-dire que ça a été signé par le président du gouvernement. Finalement, après qu'il y a eu beaucoup de bruit, après que les Mazirans se sont soulevés contre cette loi, il y a quelques semaines seulement, des députés parlementaires ont posé la question au Parlement. Qu'est-ce que c'est que cette loi qui a été distribuée par le ministère de l'Intérieur? Et le chef du gouvernement a déclaré qu'il n'a jamais vu ce papier et qu'il n'a jamais rien signé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça dépasse le gouvernement et que ça dépasse le Parlement et qu'il y a des sphères de pouvoir, des hautes sphères qui essaient de continuer à pratiquer cette politique coloniale en dépit de la nouvelle constitution qui appelle à la transparence et qui appelle au respect des lois. Donc on a toujours affaire à ce comportement, et je crois que les Mazirans l'ont dit solennellement le 9 décembre dernier à Rabat, que assez de confisquer les terres des tribus et les biens des gens, parce que ou bien on est citoyen d'un État moderne qui se démocratise petit à petit, qui est en transition, d'accord, mais plus question de revenir en arrière. Récemment, vous avez été à Adrianfous, en Libye. Vous avez visité pas mal de régions d'Adrianfous. Est-ce qu'on peut avoir vos impressions sur ce voyage et sur la situation de Tamazight en Libye? Ben, Tamazight aujourd'hui, c'est un discours de libération dans toute l'Afrique du Nord, dans tous les pays de Tamazight. Ce n'est plus uniquement une langue ou des pratiques culturelles ou des coutumes. C'est un discours politique mondialisé, un discours de liberté, d'égalité et de justice.
Et c'est pourquoi les Mazirans ont été les premiers à libérer Tripoli en Libye, avec leurs armes. Et c'est pourquoi aujourd'hui, la Mazire, elle est au cœur de la réflexion et du débat public en Libye pour l'instauration d'un état de droit après la chute du régime Kadhafi. J'ai été en Libye plusieurs jours, j'ai été à Deir el-Fouta et à Tripoli. J'ai été reçu par le responsable officiel du protocole à l'aéroport, et ça montre à quel point le changement a eu lieu, parce qu'on a été, en tant qu'Émazéran, on a été interdit d'aller en Libye, et bien entendu, on a été, c'est-à-dire la cible de ce régime dictatorial. Aujourd'hui, on nous reçoit de cette manière, et puis on se balade un peu partout dans la région des Mazirens, en Libye, et on voit le drapeau à Mazir qui est partout. On voit le tifinagh et la graffiti tifinagh partout, et les gens, ils sont heureux d'être libres et de se sentir libres. Ils sont enthousiastes, ils veulent contribuer à la transition et à la construction d'un État démocratique de droit en Libye, mais il y a un malaise, et ce malaise, c'est l'absence d'élite expérimentée en matière de débat politique et de domaine de la gestion des institutions. Il y a également l'absence de chef. Il n'y a pas de chef chez Mazerin, par exemple. Tous ils sont égaux, mais il n'y a pas des gens qui peuvent fédérer ces forces vives et ces bonnes volontés dans la bonne direction. Donc, mais il y a quand même un travail colossal qui a été fait. J'ai été surpris de découvrir le manuel scolaire de la langue amazir à Deir el-Fouta, qui a été distribué le septembre dernier dans les écoles de Nfoussa. Et j'ai été surpris de voir une exposition de livres et de CD et de cassettes de toute Tamazra. Hein. J'ai trouvé les chanteurs de la de Amazir du Maroc dès de 1929 jusqu'aux jeunes chanteurs d'aujourd'hui. Une exposition magnifique. J'ai trouvé les ouvrages de l'IRCAM du Maroc, j'ai trouvé les ouvrages des chercheurs kabyles et des chanteurs kabyles également. Donc la Libye a toujours été attachée à l'identité de Tamazra, a toujours été attaché à l'Algérie et au Maroc, et les gens sont conscients de leur appartenance à cette grande civilisation de l'Afrique du Nord. Donc ce qui reste à faire, c'est de batailler pour une constitution libyenne qui reconnaît toutes les dimensions de l'identité libyenne et toutes les composantes de Libye. Il faut que la Mazir soit officielle en Libye, soit officielle parce que la langue officielle, c'est la langue des institutions. Une langue nationale, c'est une reconnaissance symbolique. Donc, pour que les Maziran de Zouara et de Nfoussa puissent utiliser leur langue dans les milieux publics, dans les lieux, sur la façade des institutions, à l'école, dans l'administration, il faut que la Mazir soit officielle. Bien entendu, les rapports de force ont beaucoup changé après la révolution, parce qu'actuellement, toutes les régions sont armées, et Maziran également, ils sont armés, et c'est un élément important. Le fait que les Mazirans de Libye sont armés, ça va les aider dans les négociations. Et bien entendu, ça va servir à, c'est-à-dire sensibiliser les autres composantes à respecter les Mazirans. Parce que, à cause de cette idéologie panarabiste qui a duré et qui a régné pendant 42 ans, les Libyens, enfin les autres composantes de Libye ne comprennent pas tout à fait ce que veut dire la mazérité de Libye. Et d'un autre côté, je crois que les Libyens doivent
jouer le rôle d'une force de proposition pour réunir toutes les autres composantes, même les frères musulmans, les panarabistes, tous les autres, pour un débat sur la mazirité et sur la langue amazigh dans la Constitution. Et je crois que c'est ce qui va se passer le 12 janvier, parce qu'il va y avoir une grande rencontre sur la Constitution libyenne. Et ce sont les Mazirens qui vont prendre l'initiative pour réunir tout le monde autour d'une table pour débattre du contenu de la constitution libyenne. D'un autre côté, il va falloir créer un institut de la Mazir en Libye pour s'occuper de la langue, pour faire la collecte du patrimoine oral, pour revoir l'histoire de Libye. C'est fondamental. La reconnaissance de la mazirité est liée à une relecture objective et scientifique de l'histoire. Et vous savez que le système dictatorial libyen a fait beaucoup de dégâts dans ce domaine-là parce qu'il a imposé une version officielle de l'histoire qui marginalise complètement les symboles et les personnages amazigh de l'histoire de Libye et qui relègue à l'oubliette des milliers et des milliers d'années d'histoire. Donc c'est à travers tout cela que la Libye va c'est-à-dire revivre sa personnalité amazigh et va connaître une renaissance économique, sociale, une démocratie politique, une renaissance culturelle et linguistique amazigh. Bien entendu, les autres adversaires politiques doivent comprendre qu'il ne peut pas y avoir de Libye stable sans reconnaissance de l'amazigh. Ça, c'est la leçon que j'ai tirée de cette visite de Libye. Jamais les Libyens ne connaîtront la stabilité politique si la Mazir n'est pas reconnue, parce que c'est un élément fondamental de la stabilité nationale en Libye. Donc j'ai prononcé un discours juste après le président du Parlement libyen à Jadou, lors du grand festival Amazigh de Jadou, et j'ai rappelé que une constitution démocratique, c'est une constitution d'égalité et de justice. C'est donc une constitution qui reconnaît toutes les composantes de la nation et qui ne marginalise aucune composante. Donc, comme vous le voyez, l'Amazigh aujourd'hui a un grand rôle à jouer, et les grands enjeux, c'est des enjeux politiques, parce que l'Amazigh est devenu un grand facteur pour réussir la transition vers la démocratie, soit au Maroc, soit en Algérie, soit en Libye, soit au Mali, soit partout. Et les acteurs politiques et sociaux et civils commencent à prendre conscience de cette question. Revenons maintenant à la Zawad. À la Zawad, depuis maintenant, ça fera bientôt un an que les Touaregs, et les autres composantes de la Zawad ont pris des armes pour libérer le territoire. Et actuellement, bien sûr, et la situation se complique avec les pressions internationales qui veulent à tout prix que le MNLA renonce à l'indépendance. Alors, d'un côté, j'aimerais bien savoir, avoir votre avis sur cette volonté indépendantiste du MNLA, la façon dont le combat de MNLA, des gens de la Zawad, est perçu à Tamazra occidentale. Est-ce qu'il y a une solidarité, il y a un soutien justement des Imazirs en Tamazra occidentale pour les gens qui se battent dans la Zawad? Vous savez, la Zawad, comme toutes les régions de Tamazra, a connu une grande injustice. Les Imazirens qui sont sur leur territoire et qui n'arrivent même pas à exploiter leurs richesses, qui sont restés sur la marge de l'histoire, et un système central qui exploite tout et sans rien laisser aux autres, c'est une injustice qui a abouti à cette revendication, d'abord à revendication d'autonomie, puis à revendication d'indépendance. C'est tout à fait logique que les Mazirens revendiquent aujourd'hui à Zawad
leur indépendance, parce qu'il n'y a pas eu d'issue. Il n'y a pas eu d'élite sage et crédible pour essayer de trouver un avenir pour tout le monde en Mali, avec la dignité de la citoyenneté garantie pour tout le monde. Donc, il y a eu ces événements, c'est-à-dire d'affrontements, bien entendu. Les Ménéla a essayé de libérer tout le territoire de la Zawad. Malheureusement, il y a eu, comme prévu, parce que moi je l'ai dit, je l'ai écrit avant, c'était attendu, il y a eu ce mouvement d'Ansar Dine financé par l'Arabie Saoudite et par Qatar, parce que maintenant c'est les États du Golfe, ils foutent, c'est-à-dire la merde partout avec leur argent, et ils cherchent à jouer un rôle stratégique régional dans toute l'Afrique du Nord et également au Moyen-Orient. Mais c'est un projet qui se déroule sous la coupole américaine, qui sert à, comme objectif, il a comme objectif de garantir les intérêts de l'Occident et chercher un compromis avec les islamistes au pouvoir. Donc avec cet argent du pétrole va servir c'est-à-dire à entraver un peu la marche vers la démocratie dans tous les pays de Tamazra, c'est sûr. Même le Maroc, elle est menacée, malgré tout le changement qu'il y a eu. J'ai été à Rabat, j'ai entendu dire dans une salle publique, et solennellement par un wahhabiste qui vient de l'Orient, qu'il y a un plan bien financé, 2 milliards et demi de dollars, et qui concerne la Jordanie, l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, pour véhiculer les valeurs wahhabistes et pour soutenir les islamistes au pouvoir. Donc c'est un plan, et ce plan il a été fait avec les Américains, pas sans l'Occident bien entendu. Maintenant la situation elle est très compliquée à Zawad, parce que avec la présence des fanatiques religieux qui ont déjà commencé à détruire la civilisation amazir de la Zawad et à brûler les documents et à persécuter les femmes et à essayer d'appliquer ce qu'ils appellent la charia, la situation est compliquée. Mais en ce qui concerne le mouvement amazir marocain, il a été clair depuis le début. Il a soutenu le mouvement Ménéla pour l'indépendance de la Zawad. Il a soutenu même les Ménéla pour sa revendication de l'autonomie. Il soutient les forces militantes de la Zawad dans tout leur combat pour la dignité. Donc si aujourd'hui, Imaziren, les Touaregs de la Zawad, ont un autre projet et qu'ils considèrent que c'est leurs intérêts, que c'est leur objectif, eh bien on va les soutenir. On a tenu des rencontres sur la Zawad à Rabat et à Casa, on a publié des communiqués pour les soutenir, on a organisé une conférence de presse pour Gtahar, pour Moussa, qui était venu nous voir à Rabat. Je crois que sur ce point-là, on est solidaire, et Maziren ont une vision globale du changement qui va se produire en Afrique du Nord. Et je crois que la Mazir va avoir sa place dans les grands enjeux stratégiques de cette région. Donc vous pensez que le soutien de la Zawad est très important, bien sûr, pour tous les Imazirans? Parce que, je ne sais pas, est-ce que vous croyez qu'un changement, l'aboutissement de, par exemple, à l'indépendance de la Zawad, est-ce qu'à votre avis, va apporter du positif, quelque chose aux autres régions de Tamazra? Si jamais mon frère Touareg réussisse à construire un État indépendant sur le territoire de la Zawad, ça sera une première et ça sera une nouvelle ère qui s'ouvre pour les Mazirans de l'Afrique du Nord. Parce que ça sera le premier bout de terre, c'est-à-dire libéré de la tutelle des autres. Ça sera indispensable et ça sera même quelque chose qui va inspirer
les mouvements militants de l'Afrique du Nord, parce que les Mazérins, c'est les hommes libres qui n'acceptent jamais la tutelle de qui que ce soit. Au Maroc, on a eu un système intelligent et souple et flexible qui a eu la présence d'esprit de dire, voilà, tous les Marocains sont les Mazérins, et même le système, il est Amazir, même la monarchie est là. Des racines à Mazir, parce que les Mazirs n'ont toujours connu que Egildan, Egildan et Qadimen. Donc, en Algérie, il va falloir, c'est-à-dire une interprétation qui peut donner à la Mazirité sa place dans la Constitution et dans toutes les institutions, et en Libye, en Tunisie également. Donc, je crois que s'il y a un État à Zawad, ça va changer beaucoup de choses chez les Mazirins. Alors, une dernière chose, bon, on aurait aimé bien sûr beaucoup donc évoquer ce sujet avec vous, mais bon, on n'aura pas le temps cette fois-ci, on le fera une autre fois, mais on va quand même évoquer rapidement. C'est cette question de l'idéologie panarabiste et de l'islamisme et de leur position par rapport à Fem Mazir. Comment, brièvement, parce que je sais que vous pouvez faire des conférences là-dessus, c'est l'un de vos sujets préférés sur lesquels vous avez beaucoup produit, mais comment expliquer que cet islamisme, islamisme ambiant, un peu partout, notamment en Afrique du Nord, c'est ce qui nous concerne nous, est systématiquement anti-Mazir? Vous savez, le danger intégriste avait comme origine plusieurs facteurs. Il y a d'abord l'échec de la modernisation de l'intérieur dans tous les pays musulmans, c'est-à-dire les musulmans ont échoué de bâtir un modèle moderne musulman de l'intérieur. C'est comme si ça leur a été imposé de l'extérieur. Donc finalement, c'est les valeurs archaïques du passé qui reviennent. D'un autre côté, il y a eu l'apparition des frères musulmans en 1927-1928. Ça a été un grand facteur qui a contribué à ce désastre. Et d'un autre côté, un troisième facteur, c'est la découverte du pétrole dans le péninsule arabe. Parce que dans l'Arabie Saoudite, un petit coin qui s'appelle Najd, il y avait cette idéologie depuis le XVIIIe siècle, l'idéologie wahhabiste, mais il était isolé au milieu du désert. Avec le pétrole, l'État saoudien a voulu, exporter un peu cette idéologie fanatique, et puisque les Saoudiens ont beaucoup d'argent, donc ils ont réussi à véhiculer leurs valeurs à travers le monde. L'Arabie Saoudite a dépensé 87 milliards de dollars en 30 ans, rien que pour diffuser son idéologie religieuse à travers le monde, même aux États-Unis, en Allemagne, en Belgique, en France, en Hollande, partout. Et bien entendu, l'Afrique du Nord a été atteinte également. Les mouvements islamistes ont été bien financés. Aujourd'hui, l'arabo-islamisme a échoué à affronter cette idéologie fanatique. Toute l'élite panarabiste s'est pliée à genoux devant ce fléau, et ils se sont même convertis en islamistes politiques. Les panarabistes sont devenus des idéologues islamistes parce qu'ils ont senti leur échec, et ils ont commencé à instrumentaliser la religion pour redonner à leurs idéologies un peu de nouveau sang. D'un autre côté, l'islam officiel n'a pas pu encadrer les gens parce qu'il est lié au pouvoir. Donc les gens n'ont pas confiance. Quand tu leur dis un imam du pouvoir, ils te disent ça c'est l'islam officiel, donc c'est l'islam des autorités. Les gens n'ont pas confiance. Alors c'est comme ça que les islamistes sont arrivés à gagner du terrain.
et à arriver à tout le monde, puisqu'ils pratiquent ce qu'on peut appeler l'islamisme social. C'est-à-dire qu'ils frappent aux portes, ils parlent aux gens, ils sont dans les souks, ils sont partout. C'est une minorité organisée. D'abord, d'accord, en fait, les libéraux et les gens de gauche et le reste de la population sont la majorité écrasante. Mais une minorité bien organisée et bien financée devient un grand danger pour la démocratie. Et c'est pourquoi la Mazir est devenue un grand vecteur pour affronter l'islamisme politique. Pourquoi? Parce que la Mazirité ne peut pas vivre dans un climat de fanatisme religieux. La Mazir, il meurt quand il y a la dictature obscurantiste. La langue ou la culture ne peut pas vivre que dans un état démocratique, ouvert, qui accepte la différence et qui donne une grande importance aux valeurs universelles, aux valeurs humaines. Et c'est pourquoi on s'est trouvé à l'avant-garde de cet affrontement avec l'intégrisme politique. Et bien entendu, l'apport à Mazir pour le processus de démocratisation consiste à faire connaître les valeurs ancestrales de la démocratie et de la laïcité. Quand on parle de laïcité aujourd'hui au Maroc, les gens comprennent le modèle français. Carrément. Ouais. Mais la Mazir leur rappelle qu'il peut y avoir un modèle marocain de laïcité si on revient à nous-mêmes, si on revient à nos valeurs ancestrales. Par exemple, dans les régions, dans les tribus, la communauté Amazir arrivait à gérer ses affaires terrestres par des lois terrestres, le droit coutumier. Et l'imam reste dans la mosquée. C'est toujours un étranger qui n'a jamais fait partie du conseil dirigeant de la communauté. Ça, pour nous, c'est une sorte de sécularisme. Et bien, c'est comme ça qu'on arrive à expliquer aux gens qu'est-ce que la laïcité aujourd'hui et comment on peut affronter l'obscurantisme et le fanatisme religieux en s'appuyant sur notre identité et nos valeurs ancestrales. Et aujourd'hui, je vous assure que des acteurs politiques et des acteurs de la société civile commencent à prendre conscience de ce vecteur qui est la mazérité du Maroc. Par exemple, les grandes organisations des droits humains au Maroc, ils en sont conscients, ils ont déjà utilisé le droit coutumier pour défendre l'égalité des sexes et pour garantir à la femme tous ses droits, ils ont utilisé le droit coutumier amazigh. On utilise maintenant le droit coutumier amazigh pour prouver qu'il faut mettre fin à la peine de mort au Maroc, parce qu'il n'y a pas de peine de mort dans la culture amazigh, chez les Marocains. D'un autre côté, pour défendre les droits de la femme et pour s'indigner contre la violence contre les femmes, on s'appuie également sur le droit coutumier mazir en disant voilà, les maziranes, ils sanctionnaient les gens qui frappaient leurs femmes. C'est une valeur universelle aujourd'hui. Eh bien, c'est comme ça, avec cette relecture de l'histoire et avec ce rappel à ce patrimoine riche et humain, on arrivera à bâtir une démocratie moderne, laïque, à la marocaine. Et je vous assure que la mazérité a beaucoup de choses à dire là-dessus. Merci pour Ahmed, et puis à une autre fois, j'espère qu'on va approfondir un certain nombre de sujets. En tout cas, merci de nous avoir consacré du temps pour ce bref entretien. Salut.